de Jésus. Ata batu ba koma mitema ekenze. Ata batu ba koma infidèle. Likomien lobi. L'infidélité de l'homme ne peut jamais anéantir la fidélité de Dieu. Ni l'incrédulité de l'homme, la volonté de Dieu. T'as pas tout basé l'incrédulité là-bas. Mon cas dans un bébé qui s'amagaque. Basant, baso yembe la Irak. Basant, baso kumisa Irak. Basant, baso pousse la gare pour la coloca de l'obananza. Attends, moi, il est péri. Moi, il est péla. Épé la terre, oula, enoka, enoka terre. Sauvez à Jésus. Amen. Dans ce livre, Jésus, ici, a vendu à sentir. Oh.
Merci Seigneur parce que tu es un grand protecteur. C'est ta grâce qui nous a offert ces moments. Parle-nous Seigneur pour la gloire de ton nom. Donne gloire à ton nom en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Nakombo Jésus-Christ. Amen. Que Jésus-Christ bénisse tout un chacun. Et nous sommes persuadés que c'est le Seigneur qui nous a donné ces moments. C'est pourquoi en tout temps nous lui rendons des actions de grâce. Parce qu'il le mérite. Et son nom qui est le salut pour nous. C'est son nom qui nous relève. C'est le nom qui console nos cœurs. C'est le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi la carte est la biseau, tous à la canne à condémnisa maquée, maloba oya loba yamonde solo. C'est pourquoi nous devons être convaincus à nous que ce sont ces paroles qui sont véritables. Oui, même si les hommes seront infidèles, attaque au batou bakouza kabousse, l'Éternel restera toujours fidèle.
Zambe akotika la kaka kasembo. Awanga naka jamais iloba na ye. Il ne renie jamais sa parole. Devant situation nyonso. Devant toute situation. Atenaka ferme na parole na ye. Il tient ferme à sa parole. Parce que renommée na Jésus s'accroît. Parce que sa renommée s'accroît. L'accomplissement y a pas promesse na ye. Par l'accomplissement de ses promesses. Et tantoyaka pour célébrer sa fidélité. Et lorsque nous venons, c'est pour célébrer sa fidélité. Azan zambo ya wanga na kaliloba na ente. Il est le Dieu qui ne renie jamais sa parole. Et bosso ya problème nyonso. Devant tout le problème. Ce qui ont rappelé maloba na ye. Si tu les rappelles ses paroles. A émis à Jérémie. Il avait dit à Jérémie, je vais sur ma parole pour l'accomplir. Jamais. Il ne les renie jamais, bien-aimé. Quelle que soit la pression de l'ennemi. Nous avons un véritable vainqueur à nos côtés. Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ. Nous acclamons Jésus-Christ. Ouais. Amen. Dieu soit loué. Ça fait à vous, maman. Oui, tous huit textes, ma biseau est à cinquième saut. Nous prenons notre texte sur le cinquième saut. Apocalypse 6, verset 9 à 11. Apocalypse 6, de verset 9 à 11. Quand il ouvrit le cinquième saut, Tango a fumé la guinda, mais non. Je vis sur l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolé à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils criaient d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître Saint et véritable, tarde-t-il à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Donc, habitants de la terre ne pas soupir makila na bangote. Bango bazali koseka vengeance. Oui. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Et il leur fit dit de se tenir en repos quelque temps encore. Jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service. Et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Que Dieu bénisse les dieux. Ça vient par la parole de Dieu. Et par la grâce de Dieu, nous savons que c'est le Seigneur qui est notre aide. Aza pour orienter Bissot dans son amour. Et c'est lui qui nous oriente dans son amour. Vraiment, je suis dans la joie d'abord parce que Zambé Azo Songa Bissot. Vraiment, je suis dans la joie parce que le Seigneur nous assiste. Enseigner Zakaï les grâces. Côté à Isali Olu. Zakamakasi à Moutouté. Ce n'est pas le fort humain. Mais c'était une grâce. Asi Isali Olu. Et que toi enseignes sa parole. Et nous enseignons sa parole. C'est pourquoi nous montrons que nous ne sommes rien. Ce qui nous embête, si ce n'est la grâce de Dieu. Et nous ne pouvons pas non plus travailler. Mais c'est la miséricorde
miséricorde de Dieu qui nous donne le temps de service. C'est pourquoi nous avons c'est pourquoi nous lui rendons l'honneur, la gloire et le louange. Jean 15 solo. La parole qu'il avait dite dans Jean 15 est vérité. Alobaki, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous disons amen, c'est vrai. Et sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire. Lorsque nous faisons tout, c'est par la miséricorde. C'est tout pour comprendre l'enseignement. Surtout la compréhension de l'enseignement. C'est la miséricorde de Dieu. Si le Seigneur te prive la compréhension, il te la prive. C'est comme il en avait privé à Israël. Dans la chair, lorsqu'il était venu dans la chair. Ouais, Israël a compris que c'est les dieux qui étaient dans Sinaï, dans sa forme humaine. Il n'y avait pas moins qu'Israël comprenne que le Dieu qui était descendu sur la montagne de Sinaï, c'est lui qui est né sous forme humaine. Jésus-Christ. Et qui est appelé du nom de Jésus-Christ. Ouais, bah, comprendre les athées. Il n'y avait pas moins qu'il puisse le comprendre. Parce que Zamba Bibela qui bango compréhension. Parce que le Seigneur leur avait privé la compréhension. Le légué moko aujourd'hui. De la même manière aujourd'hui, bien-aimé. Il faut louer le Seigneur parce qu'il t'a donné la compréhension de sa parole. Il ne l'a pas donné à tout le monde. Si le Seigneur t'a donné la compréhension de la parole, et c'est ce qui est plus que tous les dons qu'il peut t'offrir sur la terre. À ouvrir ton intelligence. C'est que le Seigneur puisse ouvrir ton intelligence. T'as qui va d'ici. Lorsqu'il avait regardé les disciples, il leur a dit, heureux vous êtes, parce que Zamba s'est béni au Pesabino Makambo royaume. Parce qu'il a plu à Dieu de vous confier le royaume. Donc qu'on soit grâce. Donc recevoir la grâce de Dieu. Yakoyeba la parole. Et connaître la parole. C'est pourquoi on a compris davantage la parole. C'est pourquoi celui qui comprend davantage la parole il va plus se rabaisser aussi. Pour dire à Dieu de s'élever davantage. C'est comme Jean-Baptiste. C'est comme Jean-Baptiste, bien-aimé. Lorsqu'il était en service, on est venu lui dire. La personne que tu avais baptisée dans le Jourdain et se retrouve de l'autre côté en train de travailler et tout le monde va vers elle. Cela n'avait pas suscité la jalousie en Jean-Baptiste. Il a répondu à ceux qui lui apportaient cette nouvelle. D'ailleurs, je vous avais dit que je ne suis pas le pour. L'ami de l'époux, son époux, ayoka kaise. Lorsque l'ami de l'époux voit l'époux, il éprouve de la joie. Et puis, il rajoute, l'homme ne donne que de l'eau qu'à recevoir du ciel. Et sachez que je vous ai dit, Yewana, cet homme-là, Azana esprit sans mesure. C'est lui qui a l'esprit sans mesure. Nous recevons d'après ce qui nous a été donné du ciel. Jean-Baptiste était humble. Jean-Baptiste était humble, bien-aimé. Il savait s'effacer pour que le Christ accroisse. Si tu te rabaisses devant le Christ, Christ va t'honorer. Et le Christ aussi va t'honorer, bien-aimé. À tout nibat. Il a interrogé. Qui est-ce que vous allez voir dans les déserts? Un homme bien habillé. Motomoko la timala. Abi mutazaka bien habillé zaka na palais royal. Ceux qui se vêtissent d'habits précieux sont allés palais de roi. Qui est-ce que vous allez voir? Un roseau agité. Ah, c'était mon premier mami dans mon pépé. Okinata le prophète. Et vous allez voir un prophète. Il est plus qu'un prophète. Je vous dis plus qu'un prophète d'ailleurs. Parmi tous ceux qui sont nés de la femme, personne n'est plus grand que Jean-Baptiste. Yakitaki. Jean-Baptiste s'était rabaissé devant Jésus. L'a honoré. Mais c'est Jésus qui l'a honoré devant les gens. Jésus est bon. Yesu azali bongo.
Si tu t'élèves toi-même, Jésus-Christ va te ramasser bien, bien, bien aimé. Jésus est capable à trouver aux orgueilleux. Il te trouve orgueilleux. À permettre qu'on médite ma Bible. Il permet que tu puisses faire une mauvaise méditation de la Bible. On s'assirait vraiment, mais on taille ma Bible. Tu es rassuré vraiment, mais tu as mal lu les Écritures. Après, tu amènes cet enseignement devant les gens très rassurés, mais c'est une fausseté. Et à la fin, un autre frère les lit convenablement. Et puis il dit, papa, ce que tu disais, la chose là n'est pas convenable. Regarde comme ça est. Là, en ce moment-là, et toi-même, tu te diras dans ton cœur, moi, vraiment, je suis vraiment nul. Personne ne va te dire. Toi-même, tu vas te dire dans ton cœur, moi, vraiment, c'est pas bien. Nul. Et dis comme ça. Ça vient à sa bongo. Alingaka, il aime. Mon talon s'efface à tiquer la place. La personne qui s'efface pour lui accorder la place. Même dans ta vie. Attends à bon moment. Partout tu peux te retrouver. Donne place à la parole de Dieu. Bessa et Sika dans l'Iloba Nzambe. Parole place. Si tu donnes la place à la parole. Parole de Dieu qu'honoré. Et cette parole va t'honorer. Devant tout problème. Et bossons à Camonios. C'est bien là qu'on élève la parole. Il faut te réjouir et d'élever la parole. Et la parole de Dieu sentir qu'ils ont la place dans les Camonios. Que la parole de Dieu sente qu'elle a une place dans tout ce que tu entreprends. Et cette parole de Dieu qu'honoré. Et cette parole de Dieu va t'honorer. La Bible déclare. La Bible dit. Dieu résiste aux orgueilleux. Zambé a télévé la cabato à l'olendo. Il fait grâce aux uns. Parce que ça, la Kamboluna, bah, il m'a mis qu'il tisaka. Ils ont abattu nous sur les cas où on a mabélé. Il y a d'autres prédicateurs qui ont passé sur la terre. À se sentir que Zambo ya Yéwan. Il s'est senti que son Dieu a lui. A initié qui a expliqué Bible niyo soka kepa na yé. Lui a dit que c'est lui qui va expliquer la totalité de la révélation des Écritures. Donc à part lui, Mutuboy. À part lui, une autre personne comme ça. Mutumosu. Ne pourrait jamais le faire. Donc, ensuite, le message n'est pas bien parce qu'il a reçu un tel message. Donc, vraiment né au bandit au bunga. Mais là, vraiment, c'est le début de ta perdition. Lorsque tu sens ces sentiments-là, il commence à monter Dieu de la chair et prêcher les lettres de son nom. La lettre à Congo. Les lettres de son nom. Comme ça. Zambé à Zambongo. Donc tu as trouvé l'orgueil. Lorsqu'il trouve de l'orgueil, à toi frère, il te livre à la perdition. Dieu comme ça, ça met à sa bongo. C'est pourquoi il faut craindre Dieu. C'est pourquoi il faut les craindre, bien-aimé. Dans les camounions, ceci gagne ce posant-là. Dans tout problème où tu peux te retrouver, donne gloire à Dieu. Et ça nous moumoune ensemble. Élève vraiment. Élève-le, bien-aimé. À honorer. Et il t'honorera son tour. Et il te fera de merveilles. Il faut sentir en bon encadre que s'approcher de Dieu, c'est ton bien. Il faut sentir en toi que qu'on pousse en alibo sans ambes, alibo là, on a yo kakango. Il faut les sentir. En toi, il faut les sentir. Et ceux qui en devant zambé. Que si je m'approche de Dieu, ça bien en bas. C'est vraiment pour mon bien. Ceux qui m'appellent à une prière. Si on me convoque dans une réunion de prière, c'est pour mon bien. Et ça, il faut nabola ou nangai. Je sais que lorsque je vais prier, j'obtiendrai beaucoup de choses de la parole. Il faut sentir cet avantage. Que s'approcher de Dieu, c'est ton bien. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc, dans notre texte, dans le cinquième psaume, Tosui tant Yako. Sillonné par la grâce de Dieu. On avait pris le temps de sillonner par la grâce du Seigneur. Totalisaki que ces âmes-là sur l'autel. On avait montré que les âmes sur l'autel. Bazaba témoin. Bazalaki bantenkeneke.
Et tout à l'heure, dans Jean chapitre 3. Et nous avions vu dans Jean chapitre 3. Jésus-Christ à Zoloba. Jésus-Christ est en train de dire. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Biso ebele tozoloba oyo toyebi pe tozotatola oyo tomoni. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Bino bozoya bate litatoli na biso moko. Ezala na Jean 3 verset 11. Cette parole se trouve dans Jean 3 au verset 13. 11. 11. En vérité, je te l'ai dit. Na bosolo penza na zali ko yebisa yo. Nous disons ce que nous savons. Et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Un livre témoignage de Dieu. Tous ces livres ici sont le témoignage de Dieu. Dieu a témoigné. Dieu a témoigné, bien-aimé. Sa grandeur, programme naïe. Sa grandeur, son programme. Au milieu d'un peuple appelé Israël. Au milieu d'un peuple qui est Israël. Mais a baissé témoignage en haut et pas il y a un prophète. Mais il avait remis ses témoignages au prophète. Un prophète. Et le prophète. Dans leur vie. N'a pas eu un babo. Balobela na tina ya. Jésus-Christ. Ils ont parlé au sujet de Jésus-Christ. C'est ça les témoignages. Yangone litatoli. Toi avança qui? On avait avancé. Et ce qui otali pas prophète. Si tu regardes le prophète. Jésus-Christ a le bien natin en abagwa dans Matthieu 23 verset 37. Jésus-Christ avait parlé au sujet 2 dans Matthieu 23 le verset 37. À le biboy. Il a dit ceci. 23, le verset 37. Matthieu 23, le verset 37. Nous disons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes. Jérusalem, Yobomakabasakoli. Et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, Balaboni na linga kina sangi sabana. Comme une poule rassemble ses poussées sous ses ailes. Loko la sosu ya mwasi ya sangi sakabana. Et vous ne l'avez pas voulu. Na se ya mapapu na epe bino bolinga ki akote. Jérusalem, c'est tout un peuple. Jérusalem, c'est tout un peuple. Peuple d'Israël. Libota ya Israël. Le Seigneur a confirmé Yemoko dans sa bouche. Et le Seigneur a confirmé de lui-même dans sa bouche. C'est Jérusalem qui tue les prophètes. Zali Jérusalem andez ala ki kopoma basakoli. Mais il faut y avoir awawa apesa ki sanction. Mais tu dois savoir ici le Seigneur avait sanctionné. Na chaque péché ezalaka na sanction na. À chaque péché est attaché une sanction. Ou un jugement. Dope esami selo. Sanction na yango ezaboye. C'était quoi la sanction dans tout ce que Jérusalem commet? Dans verset 38. Le verset 38. Voici votre maison vous sera laissée déserte. Car je vous l'ai dit. Vous ne me verrez plus désormais. Bino. Verset 39. Toujours en Matthieu 23. Jusqu'à ce que vous disiez béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et ça là qui est sanction dans le lengue oyo bazako tuer les prophètes Jérusalem. C'était la sanction dans la manière dont il tuait le prophète. Alobi. Il dit votre maison vous sera laissée déserte. Ndako na bino ekotika la pona bino lokola neti lisobe. Et le béni moussous. Dans un autre langage. Et kozanga mai. Donc votre maison va manquer de l'eau. Donc Israël a kozanga parole. Donc Israël va manquer de parole. Donc, après Jésus. Après Jésus. Parole volumana Israël. La parole va quitter. C'est ça la maison qui reste déserte. Yangonda kokotika la liso. Parce que sanction oyo. Parce que cette sanction vient de. Oya tiens la verset 38. Qu'il a mis au verset 38. Jusqu'à ce que vous disiez. Killer baboya kondima. Jusqu'à ce qu'ils croient. Donc, oyoyo, tirez-le.
Donc jusqu'aujourd'hui, leur maison est déserte. Donc sans prophète. Donc dépourvu de prophète. C'est qui sanction? Donc c'était la sanction. Mais à Bakki si encore. Mais il nous rajoute. Dans Luc 19. Dans Luc 19, bien aimé. À partir du verset 41 jusqu'à 47. À partir du verset 41 jusqu'à 47. Il disait ceci lorsqu'il entrait par la porte de Jérusalem. Dans Luc 19. Luc 19. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Tanguy n'a combonné sous Christ. Comme il approchait de la ville, Jésus en la voyant pleura sur elle et dit, si toi aussi au moins en ces jours qui t'est donné tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Alors, il dit d'abord que Jérusalem manquera de l'eau. Et c'est pourquoi, en prononçant cette parole, il était dans le temple. Ce qu'on voit dans Matthieu 24, en avançant dans Matthieu 24, a commis Jésus-Christ sorti du temple. Jésus-Christ a bimaki na tempelo. Temple wana za physique, oui. Ce temple-là était physique. Mais azalaki kotalisa l'expression de Kambalomi dans Matthieu 23, verset 38. Mais il montrait le mouvement des paroles qu'il avait prononcées dans Matthieu 23, le verset 38. Kaske singelegatika temple alobagakei. Il fallait qu'il puisse abandonner le temple pour qu'il s'en aille. Des temps bas disciples m'a fait constater une construction. C'est pourquoi lorsque les disciples lui ont fait constater la construction du temple, alors voyez-vous tout cela, écoutez-vous la pierre sur pierre, il ne restera pierre sur pierre, vous allez la renverser, il ne soit renversé. Et dans Luc 19 aussi, et dans Luc 19, bien aimé, alobique va détruire la maison d'Israël. Il dit qu'on détruira la maison d'Israël. Et qui devait le faire? Les serpents du temps. En ces temps-là, c'était l'empire romain, la bête de ces temps-là. Et d'ailleurs, Caïphe l'avait dit. Dans Jean 11. Dans Jean chapitre 11. Parce que nous allons comprendre bien place cinquième saut. Parce que je veux qu'on puisse bien comprendre où se trouve le cinquième saut. Jean 11. Si vous prenez Jean chapitre 11. À partir du verset 45. À partir du verset 45. Caïphe Zorobaboy. Caïphe dit ceci. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Au bas de 47e verset, mais dans 49, j'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. L'un de Caïphe, mon konabango, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, alobelibango, vous n'y entendez rien? Vous ne réfléchissez pas? Qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation toute entière ne périsse point. Tomatin à 47 et l'eau dans le verset 47.
principaux sacrificateurs et les pharisiens, pe banganga nzambe pe ba farisai, assemblèrent les Sanhédrin et dirent, basangisaki mayangani na bango pe, que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Dans la verset 48, si nous les laissons faire, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. Peba loma bakoya kobebisa ezala engumba na biso ezala libote na biso. Les sacrificateurs connaissaient l'écriture. Ils ont dit ceci. Selon eux, la loi de Dieu. Ils avaient regardé la loi de Dieu. Sauf qu'Israël a désobéi à la loi de Dieu. Si Israël désobéit à la loi, il ne se corrige pas. Zamba Dindaka, les serpents du moment. Les seigneurs leur envoie contre eux les serpents du moment. La bête du moment. La bête. Pour détruire. Pour venir le détruire. À ce temps-là, la bête qui était élevée au-dessus de la bête sur la terre. La bête élevée au-dessus de toutes les bêtes sur la terre. C'était Rome. Et ça l'a dit empire romain. Rome, on a des Jean-Baptiste à Lobaki. Hein? C'est au sujet de cette Rome-là que Jean-Baptiste a dit. Ils ont reproché aux Israélites. Lorsqu'ils reprochaient aux Israélites. Alors, dit que ceux qui vont se repentir, si vous ne vous répondez pas, et sachez que la cognée est déjà sous la racine de l'arbre. Donc, cognée, wana. Donc, Congo, wana, pour la boucatatité, c'est l'empire romain. Il faut que vous compreniez le langage de la Bible. Il faut que vous compreniez le langage. Donc, ceux qui vont se repentir, si vous ne vous répondez pas, la hache, pour la boucatatité, la hache viendra vous abattre. La hache de ce temps-là, c'était l'empire romain. Maintenant pour les juifs, les sacrificateurs. Maintenant pour les sacrificateurs juifs. Basalaki comment on a dit que Jésus-Christ a zoboté les mena les sabbats. Donc a zoboté les mena la loi. Selon eux, Jésus-Christ s'opposait à la loi, au sabbat de Dieu. Donc ceux qui baptisent Jésus, cela veut dire télémeni Moïse. Donc s'ils laissent Jésus faire, c'est-à-dire eux, ils s'opposent à Moïse. Télémeni Zambé. Donc ils s'opposent contre Dieu. Alors nous n'avons pas utilisé l'écriture Naya Lobana Deutéronome 28-49. Alors le Seigneur va utiliser l'écriture de Deutéronome 28, verset 49. Le verset 49. À Motinda. Une nation et voyage au dominé. Il enverra contre eux une nation pour le dominer. Donc, Bamokolomola Jésus. Donc, eux retranchent Jésus. À mon avis, dit que Bamoko s'est protégé devant la puissante nation. Donc, selon eux, c'était comme une protection devant la puissante nation de cet homme. Or, ça, là, qu'une lecture, ma vie. Or, ils avaient fait une mauvaise lecture. C'est Jésus qui est la vie. Les alliés sous Christ dans sa mort. Mais par on a dit que Jésus, c'est le mal qu'on doit ôter. Mais selon eux, Jésus, c'était le mal, l'interdit qu'il devait ôter. Et Dieu bénisse. Amen. Il y a un mot de bâtard qui Romain. C'est pourquoi ils avaient cité le nom de Romain. Tous les prophètes, on a besoin d'un exemple, il y a David. C'est pourquoi je vous avais donné l'exemple de David lui-même. Même si vous suivez Esaïe, même si vous prenez Esaïe, il en parle aussi. Il en parle dans Esaïe 10. L'olégué le Seigneur, après ça qu'il est là, na hache naïe, comment le Seigneur avait donné l'accès à sa hache, à Syrie, à sa cognée, et qui quoi attaquer Israël, pour venir attaquer Israël. Mais Zamba l'obéit à quoi encore à juger. Mais le Seigneur dit qu'il humiliera la Syrie. L'olengue aussi, Jérémie. De la même manière aussi, Jérémie. Alomela sur la vengeance de l'Éternel sur Babylone. Il avait parlé de la vengeance de l'Éternel sur Babylone. Le sang. Parce qu'on avait trouvé dans Babylone le sang des enfants. Donc, tous les prophètes. Donc, ma sacolipense. Ma criaka vengeance. Il à la vengeance à cause de leur sang. L'icolo yamakila na bango. Tambalobi leur sang.
lorsqu'on parle de leur sang, ezalaka sang ya prophète poété, ça n'est pas seulement le sang comme ça du prophète. Leur sang ezaya bango nyonso Jérusalem. Donc le sang c'est pour le sang de toute Jérusalem. Je pense que vous entendez bien la parole. Je pense que vous suivez bien la parole. Parce que yangonde le Seigneur a réclamé et pas les habitants de la terre. Parce que c'est ce sang-là qui réclamera le Seigneur chez les habitants de la terre. Il y a un besoin de témoignage. C'est pourquoi nous avions pris les témoignages. Dans Jérémie. Dans Jérémie. Tous les prophètes, en tout cas, demandaient vengeance. Tous les prophètes demandaient vengeance. En lisant toutes les lettres du prophète, vous allez voir là-bas, on nous parle de la vengeance sur la nation où est attaqué, sur la nation qui les a attaqués. Il y a bon le Seigneur à l'homme même dans psaume 137, tant où David a prophétisé. C'est pourquoi le Seigneur avait dit dans psaume 137, dans la prophétie de David, Jérusalem, si je t'oublie. Jérusalem, qui n'a pas sanio, que ma droite m'oublie. Le bon qu'on a eu pu à Mobali et pour Sanangai. Donc le Seigneur ne peut pas oublier Jérusalem. Il y a beaucoup de textes où on a eu psaume 137 dans le Seigneur. Vengez sans abysso contre Babylone. C'est pourquoi dans cette écriture-là, David demande au Seigneur de venger leur sang sur Babylone. Et même pour la nation, Moussouso Bazali, qu'on souhaitait chute Nabiso. Et même sur toutes les nations qui souhaitent notre chute. Dans Jérémie 51, dans Jérémie chapitre 51, Natangi verset 34-35. Le verset 34 vit à Salinaï Bekieu à Papa. Quel est le dragon de Jérusalem? Parce que Nebuchadnezzar y a qui peut détruire Jérusalem. Parce que Nebuchadnezzar était venu détruire Jérusalem. Dès au moins dans le verset 34, à Zorba que Nebuchadnezzar y a qui dévorer. Nebuchadnezzar est venu les dévorer. Là, là, bien Jérémie a représenté comme peuple nionso. Et Jérémie est représenté comme tout le peuple, mais c'est lui prophète. Bonjour la madame. Amen. C'est Jérémie qui parle. Les prophètes. Mosapoli. Mais dès que Zolo Bawana a eu place net à Jérusalem au Bimba. Donc il a pris la place de toute Jérusalem. Alors Nebuchadnezzar, roi de Babylone, m'a dévoré. Nebuchadnezzar, mon contre Babylone, a allé Ingaï. M'a détruite. A béni Singaï. Il a fait de moi un vase vide. Mais qu'il n'y a pas mes amis. Là, c'est Jérémie qui parle. C'est Jérémie qui mais parle. Mais Jérémie a commis comme tous les peuples d'Israël. Mais Jérémie s'est fait comme tout le peuple d'Israël. Oyo yo, makila na bango et son pan. Dont le sang a été versé. Quel est dragon? Il m'a englouti. Il a rempli son ventre de ce que j'avais déprécié. Il m'a chassé. Mais vous allez voir que dans Babylone, Jérémie ne s'y était pas. Jérémie, en prophétisant ses paroles, il était dans Jérusalem. Mais la voix de Jérémie, elle était tous les peuples de Jérusalem. Mais la voix de Jérémie était comme la voix de tout le peuple. Tout le sang qui était versé. Il y a beaucoup de monde en verset 35. Au verset 35. Que la violence envers moi. Si ma bébé ya salingaï. Et ma chair déchirée. Retombe sur Babylone. Et quoi ya Nicolas Moutou ya Babylone. C'est le prophète. Et Zali Moussakoli. Parce que vous comprenez le cinquième saut bien. Tu dois bien comprendre le cinquième saut. Causer la tête, quand on m'a dit là, mon sacolé, son comment qui met en bas, on a vengé ma qui là. N'attends pas seulement le sacolé, ne vous en m'en aille, on est à notre sang. Donc en voyant le prophète, notre sang. Azo mon à Jérusalem. Il voit tout Jérusalem. Que la violence envers moi, ma béoya salida, et ma chair déchirée, retombe sur Babylone. Dit l'habitant de Sion. Que mon sang retombe sur les habitants de la Chaldée.
makila na ngai ekweya na motu ya bafandi ya mboka Babilona. Di Jérusalem. Elobi Yerusalem. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Yango wana boye elobi ya. Voici je défendrai ta cause. Dala na kobundela kali kambo na yo. Je te vengerai. Na kopesa etumbu na mateba sali yo. Je mettrai à sec la mer de Babylone. Na kokawisaka maya monene. Et je ferai tarir sa sauce. Parce que le fleuve est un pouvoir, une puissance. Parce que le fleuve représente un pouvoir, la puissance. Oui. Lorsque le Seigneur renverse les nations, à présent, il y a toujours que Akaosi fleuve là-bas. Le Seigneur présente comme s'il avait tari leur fleuve ou leur mer. Dans une type écriture, parce que nous sommes dans le monde, quand même là-bas. Apocalypse 16, ce qui nous a pas suivi. Je prends un témoignage parce que Zacharie, dans Apocalypse 16, par la grâce de Dieu, nous prenons d'abord Zacharie. Zacharie 10. Zacharie chapitre 10. Verset 11. Le verset 11. Il passera la mer de détresse. Bango bakokati sa mai. Il frappera les flots de la mer. Et toutes les profondeurs du fleuve seront desséchées. L'orgueil de la Syrie sera bâti. Le sceptre de l'Égypte disparaîtra. Donc, lorsque le Seigneur frappe la Syrie, avant frapper l'Égypte, il frappe l'Égypte, avant dessécher de la mer. C'est comme s'il dessèche la mer prophétiquement. Ayen à Esaïe 19. Il vient dans Esaïe 19. Ça sonne de la Bible. Esaïe dit l'homélie à Bibilie à la massacre. Parce que le fleuve est un pouvoir, puissance. Parce que le fleuve représente le pouvoir, la puissance. Aujourd'hui, Esaïe 19, verset 5. Esaïe 19, le verset 5. Je lis au nom de Jésus-Christ. Natangi nakobone Jésus-Christo. Les eaux de la mer tariront. Ba mai ya bi bal ya mai monene. Le Seigneur montre comment il tarira le fleuve de l'Égypte. Le lengue aussi au cas où sa mère. Comment est-ce qu'il fera tarir aussi la mer? Azolo de la tout simplement aussi son pouvoir et la nation. Le Seigneur parlait tout simplement de la cessation du pouvoir des nations. C'est pourquoi dans Apocalypse 10, il met un de ses pieds sur la mer de l'autre chose. Donc c'est pour tarir les eaux de la mer. Là, ça va bon Armageddon. Et c'est ce qu'il va accomplir dans la bataille d'Armageddon. Mais nous montrons d'abord ceci. Que quand il lit les prophètes, les prophètes balobaka sur vengeance na bakila na bango et sopani. Les prophètes parlent de leur vengeance à cause de leur sang versé. Oyo babitaya. Ma belle basobi. Que les habitants de la terre ont versé. Naoye Tani, Oyo Jérusalem à Salaki. En ce qui concerne les meurtres de Jérusalem, Dieu a dit, Zambé à l'Obi, votre maison vous sera laissée déserte. Vous ne resterez plus pierre sur pierre. Il a jugé cette maison. Maintenant, nation a utilisé pour y avoir à détruire Jérusalem. Maintenant, la nation que le Seigneur a utilisée pour détruire Jérusalem en vue de l'accomplissement de ses écritures. Ma nation, ma prophète, ma loba, Seigneur, vengez notre sang. Les prophètes parlent de la vengeance de leur sang sur cette nation-là. Que Dieu bénisse. Amen. Yango tozu psaume 79. C'est pourquoi nous prenons 79. C'est pela ka ko répéta ka lité même na ndaku. Il faut désirer répéter l'enseignement même à la maison. Ozo kango zo zongela c'est bon.
Tu l'écoutes et tu le répètes, c'est une bonne chose. Et guider davantage. Et cela va t'aider davantage, bien-aimé. Aux yeux à partir du verset 10e. Vous prenez à partir du verset 10. Psaume 79. Psaume 79. Tire à verset 13. J'ai le nom de Jésus-Christ. Pourquoi les nations diraient-elles, où est leur Dieu? Qu'on sache en notre présence parmi les nations que tu venges le sang de tes serviteurs, le sang répandu. Quand les nations vont ravager Israël, lorsque les nations ravagent Israël, sentir que bazo ravager facilement, ils sentent vraiment qu'ils ont la facilité de renverser Israël. Bazo poser où est leur Dieu. Ils disent Nzambe na bango azali wapi. Bazora na bana. Vous suivez attentivement. Alors là, bato yo bazo passer ba tantir. Là, les gens qui passent des temps difficiles, bazo sentir le Seigneur. Prie, ô Dieu, consente que tu venges le sang de ses serviteurs. Sur cela qu'il en répond. Parce que awawa, parce qu'ici, ce sont les paroles des 144 000 d'Israël. Vous suivez attentivement. Parce que tout ce qui va se passer dans la suite des temps se retrouve déjà ici dans le livre du prophète. L'écriture continue. Que les gémissements des captifs parviennent jusqu'à eux, jusqu'à toi. Par ton bras puissant, sauve ceux qui vont périr. Rends à nos voisins cette fois dans leur sein. Les outrages qu'ils t'ont fait, Seigneur. Tant où les nations vont ravager Jérusalem. Lorsque les nations ravagent, détruisent Jérusalem. Les cris des 144 000 Israël. Il y a le cri des 144 000 qui y sont. Il dit aussi, Seigneur, vengez ton peuple. Vengez cette fois. Parce qu'ils ont exaucement la prière au Ezan dans psaume 79. Parce que l'exaucement de cette prière de psaume 79, ils ont ça demandé dans l'Armageddon. Ça complique dans la bataille d'Armageddon. Il y a un mot qu'on monte dans le verset 17e, 12e, au verset 12. Rends à nos voisins sept fois dans leur sein. Les outrages qu'ils t'ont fait, Seigneur. Donc, quand vous en avez un qui sera vraiment ma paix, habitant et ma nation, lorsque le Seigneur viendra venger Israël en frappant les nations, maintenant, qu'est-ce qui va s'accomplir après? Verset 13. Le verset 13. Et nous, ton peuple, les troupeaux de ton pâturage, nous te célébrerons éternellement. Cette écriture ne s'est pas encore accomplie. C'est pourquoi je dis que ces paroles sont celles de 144 000. Lorsque cette vengeance s'accomplira, Israël maintenant va célébrer éternellement. Israël va célébrer éternellement. C'est après l'Armageddon. C'est pourquoi je vous dis que ces paroles ici sont celles ou seront celles des 144 000. Dieu bénisse. Amen. Après vengeance, Yazambe. Israël adorera l'Éternel. Zacharie a prophétisé. Zacharie l'avait déjà prophétisé. Papa Jean-Baptiste. Le père de Jean-Baptiste. Alors, béni soit le Seigneur Dieu. Abambo la mankolo Zambé. Balobi bien en Luc chapitre 1 verset 68. On a bien dit dans Luc. Écoute comment on dit. Luc 1, verset 67 à 68. Luc, Zacharie, Tatanaïe, a donné
bimisamaki na molimo sans et il prophétisa pe asakolaka eza esakwini. Donc c'est une prophétie syncantique ici de Zacharie. Israël zambe na Israël. Voilà verset 68. De ce qu'il a visité et racheté son peuple. Na lolenga ekota la pe kosikola libota na ye. Or, faut que après notre enlèvement, les libérateurs viendront de Sion. Il faut savoir que na simaline ton a dit son mon capo la mi aboya kota Sion. Aboya pour racheter ma mort. Il viendra le racheter. Et nous a suscité un puissant sauveur. Dans la maison de David, son serviteur. Comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes de temps ancien. Maintenant, écoute ce que les prophètes de temps ancien avaient annoncé. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis. Et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Il faut entendre bien. Est-ce que Israël a délivré de la main de tous ceux qui les haïssent? Non, bien aimé. Les disciples sur le chemin de maïs. Les disciples sur le chemin de maïs. Jésus, lorsque Jésus fut ressuscité, les problèmes, est-ce que les Romains vont dominer? Est-ce que les Romains continuent toujours à nous dominer? Alors, Sangona, résurrection de Jésus, les missiles. Alors, cette nouvelle de la résurrection de Jésus leur avait dit. Jésus les a croisés en chemin. De quoi entretenez-vous? Dieu le Saint à Jérusalem. Je vous allez voir il dit qui ne sait pas ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a? Ce qui est arrivé à Jésus. Pour expliquer Jésus, Jésus. Là, il était en train de s'entretenir avec Jésus pour expliquer Jésus qui est Jésus. Bah, le c'est Jésus là, c'est un homme puissant. Yesuana nasali moto ya mbuya. En parole, na maloba. Et en acte, na kisala. Devant Dieu, il faut soit assemblé. Et devant les hommes, il faut soit battu. Ma personne définition pour comprendre de qui il parlait. On lui a donné une belle définition de Jésus pour comprendre de qui il parlait. Maintenant, parlons par le bien de Jésus. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a dit à Jésus? Pas si mon conagati n'a vu son bâtiment qui tombe. Les femmes s'étaient rendues au tombeau de Jésus. Parce que tu seras là où tu sais quoi. Et elles ont entendu que ce Jésus-là vient de ressusciter. Amis, qu'on croyait qu'il devait délivrer Israël de la main de ses ennemis. Les seigneurs ont déjà classé toutes choses. Tant que Josué s'était levé pour la conquête, a libéré Jérusalem. Il n'avait pas libéré Jérusalem. A dit qu'à Jérusalem, il avait laissé Jérusalem entre les mains des Jébusiens. Et Zaga dans Josué 15, verset 63. C'est dans Josué 15, le verset 63. A Sali Moussa, la Sali conquête. Il a fait la conquête des Cana. Mais a dit que Jérusalem n'esclavagise. Mais il a laissé Jérusalem dans l'esclavagisme. Il a posé son sang par classant déjà. Les seigneurs avaient déjà classé toutes choses, bien-aimés. Josué 15, verset 63. Josué 15, verset 63. Les fils de Juda ne purent pas chasser les Jébusiens. Bana ya Yuda bakoka kite kobenga na baïche. Qui habitait à Jérusalem? Oyo bazala ki kofanda na Jérusalem. Et les Jébusiens ont habité avec les fils de Juda à Jérusalem jusqu'à ces jours. Pe baïche bi bafanda ki elongo na bana Yuda na katia Jérusalem kino lelo. Les raisons les 19. Donc jusqu'à ce jusqu'au 19 novembre. Texte des années 1. 2021. Donc les Jébusiens occupent toujours Jérusalem. Les Jébusiens occupent toujours Jérusalem. Jusqu'à ce jour. Qui nous les lots le 19 novembre? Yango, Paul a mis dans Galates 4. C'est pourquoi Paul dit dans Galates 4. A mis Agar. Agar, c'est Jérusalem actuel. Moi, si on est dans la Jérusalem, qui est dans la servitude, moi, y a Zali na katia boumbu.
C'est comme ça la bonté a prêché. Avec ses enfants. Naba nanaye na katia mouumbo. Yamo komo na tamu. David a son onction. C'est pourquoi lorsque David a reçu l'onction. Dans 1 Samuel 16. Dans 1 Samuel 16. C'était seulement dans la maison de son père qu'on connaissait qu'il était roi. Pour Samuel, quand Azou y en a bêté, parce que lorsque Samuel s'est rendu à l'éternel, offrir un sacrifice pour l'éternel. Il avait dit qu'il est allé sacrifier pour l'éternel. Mais il avait un programme dans la maison d'Israël. Mais il avait un programme à donc, dans la maison d'Israël. Ce programme avait dit ne l'aimez ta personne. Et c'est ce programme-là, Oye Misa Montonte. C'est textuellement négé. Abraham a zokotana Sarah na Égypte. C'est textuellement Abraham qui entre avec Sarah en Égypte. Aïe, messieurs, comment est-ce que zokotana Égypte? En entrant en Égypte. Ne dis pas que c'est moi le maître ou le propriétaire de ce corps. Parce que la femme c'est le corps du mari. Oui, que moi si t'es un autre, toi, pas d'ailleurs. Ne connaissache pas que c'est moi le maître ou le propriétaire de ce corps. C'est l'arrivée de Jésus-Christ. C'est pourquoi ma Jésus-Christ on a dit, moi na Joseph. Il est devenu comme le fils de Joseph. Mais c'était Dieu péché. Parce qu'il s'amène à sa lignote. Azala qui sont qui a se transfiguré na montagne, na Matthieu 17. Il était si il se change ou se transfigure sur la montagne dans Matthieu 17. Tamo esili. À la fin, Bazoni na kokitana ba Pierre. En descendant avec les disciples, aye, merci, maman. Il leur dit. Vous avez la malade, moi? Amen. Nathan, on les avait dit cachés. En ces temps-là, c'était caché, bien aimé. Parce que il faut dire que Sarah a quitté à Égypte. Il faut savoir que Sarah est en Égypte. A bougé à Égypte. A mingi sakambokawa na banina. C'était un corps rare qui avait paru en Égypte. Ma chef a besoin de Pharaon, Balina. Et les grands de la maison avaient bougé. Non. Nous n'avons jamais vu cette beauté magnifique. Là, c'était le signe qui parlait du corps de parce Jésus. Parce que nous autres étaient moi. Parce que le corps représente la femme. Tout le corps qui était dans et le monde, c'était des corps porteurs des péchés, des impudicités, des ordres, tous les désordres bien aimés. Mais tant que Jésus est continuellement, que le corps de Jésus est entré, même les démons les regardant à mon centre dans un verre. Ça, c'est un corps spécial mis à part. C'est ça, Sarah. C'était le corps de Jésus. Il fallait que ce corps-là soit mené jusqu'à la crucifié. Et que ça soit crucifié. C'est Sarah. Donc, ça, il faut comprendre. Il y a beaucoup de choses que tu dois comprendre là-dedans. Il y a beaucoup de choses que David. C'est pourquoi tu verras David. Quand on a vu ma foute est un roi. Lorsqu'il a reçu l'onction royale, Libanda a beaucoup ma serviteur à Saoul. Et là-bas, au dehors, il est devenu le serviteur de la guitare. Parce qu'il sera mis là-bas comme le joueur de la harpe dans la maison du roi Saoul. C'est l'arrivée de Jésus-Christ chez les circoncis. Nekoya Jésus-Christ pas Bayouta. Aïe comme leur serviteur. Aïe, il est venu comme leur serviteur. Mais il est roi. Car c'est ça mon quotidien. Comme simple serviteur. Il a paru comme un simple serviteur. Mais dans cette étape-là, David a délivré Jérusalem. David n'avait pas délivré non plus Jérusalem. Amen. Après cela, son contraire va texte Bible. Si tu regardes, tu lis les textes. Quand Saoul a couvert. Lorsque Saoul est mort, Saoul est donc sa fin de la loi. Saoul représente Souka ya Mombeko. C'est le Romains 10, verset 4. C'est le Romains 10, verset 4. Là maintenant, Wana, David a tenu dans 2 Samuel 2. Il a interrogé le Seigneur dans 2 Samuel. Où monterai-je, Seigneur? Et si Kawa Pinakoke de Ngolo, le Seigneur lui qu'est. À Matana Hébron. Et le Seigneur lui dit de monter à Hébron. Hébron, c'est une ville, mon voyage.
Bon, c'était l'une des villes des enfants. Mais qui parlait au sujet de nous, l'église? Parce que cette ville va passer à Caleb. Parce que c'est une ville où l'héritage donné à Caleb. Nous aurons la malade. Amen. Donc, exactement ça. Le légué où va rejeter David, mais David a yen à Hébron. Donc, la manière dont on a rejeté David, et David est venu à Hébron. Donc, elle est venue chez les saints, et les saints ne l'ont point reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Aïe, pas ma déconaïe, ma déconaïe, ma yabie, t'es cassina, ma yabie, so ma yabie, Hébron. Vous en avez la malade? Amen. Voilà David, ayagi ko dominé, quand on a été mis à Jita. Là, David était allé dominer seulement une portion. Israël, il y a un seul qui n'a pas beaucoup, ya. Moi, na ya Saoul. Et tout Israël était entre le maître d'Ishbosheth, le fils de Saoul. Là aussi, 2 Samuel 2, le verset 8. Bonne les années, pourquoi c'est ainsi? Saoul a fait une fin à loi. Saoul est comme la fin de la loi. Mais après mort à Saoul, mais après la mort de Saoul, Abner, a séparé pour soi quand moi na ya Saoul a tiré mon conzi. Abner, le chef de l'armée, n'a pris que le fils de Saoul pour l'établir. Il y a un Paul a dit dans 2 Corinthiens 3. C'est pourquoi Paul avait dit dans 2 Corinthiens 3. Quand ils ont la loi, lorsqu'ils lisent l'ancien alliance, les mêmes voiles. Et si Péloin n'a pas été longue, demain. Et ça, mais Jésus a attaqué en mort tant qu'on fait. Mais Jésus avait déjà déchiré ses voiles à sa mort à la croix. Et c'est comme si ils ont repoussé le voile. Amen. Ils sont restés sous la loi. Et dans cette étape-là, David a détruit Jérusalem. David n'avait pas non plus délivré Jérusalem. Mais après cela, l'ancien Israël bazakina bossa maintenant ya David. Les anciens d'Israël avaient besoin de David. Pour m'assurer que David a compris sa solution. Parce qu'ils sentaient que c'est David qui devait les donner les solutions. Basangani, ils se sont réunis. Dans 2 Samuel 5. Dans 2 Samuel 5. Bona pour Kondimaye Lokola les os. Pour les vraiment lorsqu'ils ont reçu David dans ces temps, et accueilli à sa programme et à conquête à Jérusalem. Alors il a fait le programme d'aller conquérir Jérusalem entre les mains des Jébusiens. Amen. C'est en ces temps-là qu'il avait renversé les Jébusiens. Vous êtes dans la Bible? Vous suivez la Bible? Dans a renversé les Jébusiens dans sa vie programme pour Acte et à Rokota à Jérusalem. Et après, il a fait le programme de l'entrée de l'Arche dans Jérusalem. Pour la millénium. Pour parler de la fête du millénium. Vous êtes dans la Bible? Amen. Donc, on entend ici que si je montrais, bien aimé, Israël, d'avoir rejeté le Messie, lorsqu'il a rejeté le Messie, a dit qu'il y a l'esclavagisme toujours. Il est resté sous la servitude. Mais Zacharie a aimé à continuer. Mais Zacharie a continué avec sa vie. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Mon biki si mon voisin au camp au labisso na banguna na biso pe na maboko abaye maye. Voilà verset 71. Verset 71. Yalik 1. Na combien de verset 71? C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères. Et se souvient de sa sainte alliance. Na combien verset 73. Selon les serments par lesquels il avait juré à Abraham notre père. De nous permettre, après que nous serions délivrés de nos ennemis, de les servir sans crainte. Israël a nous servi sans crainte. Aujourd'hui, Israël ne sert pas Dieu sans crainte. Amen. Mais Zacharie a aimé. Mais Zacharie l'avait chanté. Pour comprendre, il faut comprendre les Pour les comprendre.
comprendre, il faut lire l'histoire de Jephté. Jephté? Jephté. Ses propres frères dans la maison de leur père l'avaient haï. Parce qu'ils avaient des mamans différentes. Jésus-Christ est en haut. Jésus-Christ est du ciel. Israël, il est d'en bas. Mais les enfants d'Israël sont d'en bas. Vous suivez un père mort. Mais ils avaient un seul père. Abraham. Qui est Abraham. Oui. Nous faisons bien comprendre. Place où on a le père, c'était Galad. À cet endroit-là, le père c'était Galad lui-même. Oui, dans Juge 11. Dans Juge 11. Et ça les minéri. Comment est-ce que ça se passe? Rejeté Jephté. Pourquoi qui Jephté? Par frère, là, par ses propres frères. C'est la façon dont Jésus-Christ a été rejeté par ses frères. C'est la façon dont, dans la réalité, Jésus-Christ a fait rejeté par les Juifs. Mais si vous avez un texte, il y a Juge 11, tant qu'il a rejeté Jephté. Mais dans Juge 11, lorsqu'ils ont rejeté Jephté, à quelle excursion? Il est allé faire des excursions des avec des gens de rien. Na bateau ya dinate. A su bateau ya valeur te. Il a pris des sans valeur. Dans un tambour en train de faire des excursions avec ces gens-là. Les amis. Et ces gens-là de rien sont nous. Des gens sans valeur. Et le roi dit Jephté n'a pas de bonheur. Mais comme les frères de Jephté l'ont rejeté, donc on est quand même la considération pour aller un abisso à un tambour en abisso. Quand même, il est venu vers nous et il marche avec nous partout. À un tambour le pourquoi de chaque chose. Et il nous montre, il nous révèle le pourquoi de chaque chose. Parce que l'excursion, parce que l'excursion, c'est aller dans des découvertes, découvrir des choses. C'est ça l'excursion. Mais après, on a besoin de Jephté. Ils avaient besoin de Jephté, ceux qui l'avaient rejeté. Ils avaient besoin de l'avoir contre les Ammonites pour venir combattre en leur faveur contre les Ammonites. Oui. Akoya, il y reviendra. Et puis en ça la une alliance. Et il fera une alliance avec le peuple. Zambe sont qui obéissent la victoire. Seigneur, si tu me donnes la victoire. Après la victoire. Après la victoire. Oyonyon son amokutarandango nagoksakri. Tout celui de ma maison qui viendra à ma rencontre sera sacrifié. Après le combat, après la décision aussi, c'est marche. Là, notre temps à nous avec Jephté, le forêt avait déjà pris fin. Parce que servir Dieu, c'est être brûlé aussi. Pour qu'on s'en ait ça fait qu'on tombe à si tu vois la cantique de cantique, chapitre 1. Mais nous avons je suis belle. Je suis noir. C'est le soleil qui m'a brûlé. C'est servir le Seigneur. Mais Israël faut servir après qu'il a besoin de la délivrer. Mais Israël doit servir le Seigneur après sa délivrance. Zacharie a chanté. Zacharie a chanté. C'était la prophétie. Et Zala qui parce qu'après l'œuvre de la croix, c'est l'église qui sert le Seigneur. Parce qu'après l'œuvre de la croix, c'est l'église qui le sert. Donc, on dit, madame, amen. Israël a dit qu'il est désert. Et Israël est resté désert, il sauvé. Mais où il y a eu détruire Israël. Mais celui ou la nation qui vient détruire Israël, les prophètes demandent vengeance. Amen. C'est ça, cinquième saut. Et réponse. Yazambe. Et la réponse de Dieu. Et ça, que ma compagnon a service, le col abino, va vous en mis à mort. Et que vos compagnons de service seront mis à mort. Ma compagnon de service, va vous en Apocalypse 11, na verset 7e. Et ses compagnons de service sont dans Apocalypse 11 au verset 7. Nasina et binomo comprendre que je vous ai déjà aidé à comprendre. Tant que les âmes sur l'autel et sur le baquet, quand est-ce que vous jugez, peut venger notre sang contre les habitants de la terre, madame Bassani? Lorsque les âmes sur l'autel posent la question du temps où on doit juger leur sang sur les habitants de la terre, prophète Tanazoloba, lorsque le prophète parle, il fait entrer tout Jérusalem na katina. A konti saka Jérusalem a mobimba na likambonaye. Dozo kana mala mwana pesikina ni jamais écriture. Amen.
Et c'est ça, dans Apocalypse 11, Apocalypse 11, les versets 3. Maintenant, quel est le verset 7? D'abord, le verset 3. Le verset 3. J'ai le nom de Jésus-Christ. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtis de sacs pendant 1260 jours. Donc, ce sont ces deux hommes qui vont prêcher la femme. J'en avais déjà parlé lorsqu'on parlait de l'Apocalypse 12. Mais lorsque leurs jours du témoignage seront achevés, 1260 jours valent 3 ans et demi. 1260 jours valent 3 ans et demi. 1260 jours valent Daniel 9, verset 27. Et 1260 jours sont dans Daniel 9, le verset 27. Mais les en à terme à 3 jours et demi. Mais c'est dans les termes de 3 jours et demi. Lisons-le d'abord. Donc la moitié de la semaine. Nambo katikati aposo. Que ce sont des choses qui t'appartiennent et qui sont en toi. Daniel 9. Daniel chapitre 9. Verset 27. Le verset 27. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Il fera une solide alliance avec plusieurs. Yango Jésus a nommé dans Matthieu 24, verset 15. C'est de cela que Jésus avait parlé dans Matthieu 24, le verset 15. Nathan Yango aussi. Je l'ai dit aussi, bien-aimé. Ce qui n'a autant d'écriture, il y a quand même la séance pour y avoir. Si je lis une écriture, sachez que je les reprendrai dans le prochain séance. Par la grâce de Dieu. Nangolou Yansambe. Matthieu 24, verset 15. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel. Établi en lien saint. Que celui qui lit fasse attention. Donc ce montant que Jésus a. Donc si tu lis Jésus ici. Jésus a dit que Lucas verset voilà dans le livre de Daniel. Jésus te renvoie déjà dans le livre de Daniel pour aller chercher cette parole. Amen. Ce que Daniel avait dit s'accomplira dans la suite des temps. C'est Jésus de Zoloba. Jésus-Christ de Alodé. L'abomination à cause de l'ennemi. Et c'est quoi cette abomination de la désolation? Israël après deux ans a changé l'adoration. Israël après la mort de deux ans va changer l'adoration. Mais 144 000 ils vont garder vraie adoration. Mais les 144 000 vont garder la vraie adoration. Oui. Un exemple. Nous prenons un exemple. On est une ombre, t'es une image. On ne les prend pas comme une ombre ou une image. Na acte 12. Dans Actes des Apôtres, chapitre 12, il y avait un roi, Hérode, à Lukaki, par tous les moyens, à se proclamer. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le sacrifice, des lèvres, c'est le sacrifice de nos lèvres. C'est ça le sacrifice. Ceux qui t'ont changé, Béka, donc si nous changeons les sacrifices, ils vont t'ont changé et l'obéir. Cela veut dire que nous changeons l'adoration ou les un ange pour frapper Hérode qui a été rangé de verre. Parce qu'on lui a considéré, on l'a considéré comme un dieu. Donc ils ont dit que le sacrifice va baisser pareil. C'est comme si le sacrifice lui a été offert. Dieu l'a frappé. Ça vient à détailler. C'est ça changer les sacrifices. Dès qu'on bongo la méga.
Parce que ba désoin, parce que le désoin qui est ba côté ya Israël sacrifice ya nzoto te. Ils ne vont plus prêcher à Israël les sacrifices terrestres. Esprit ya Élie, l'esprit d'Élie bien aimé. Quand il s'est répété na via Jean-Baptiste, lorsque cet esprit est venu dans Jean-Baptiste, et tika la côté ya agneau ya makonomi nete. Cet esprit n'a jamais prêché l'agneau naturel des quatre pattes. Interpréta. Cet esprit avait interprété la vie. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Même esprit où on a élevé. Et viendra aussi l'Apocalypse 11. Et il va plus prêcher des boucs et des taureaux. De la même manière que cet esprit a prêché, voici l'agneau de Dieu. Et l'autre est même en Apocalypse 11. Va prêcher même en Apocalypse 11. Donc Israélite a des uns des alakana osé. L'enseignement de deux uns est osé 14. Osé 14. Verset 1 à 2. Le verset 1 à 2. Soyez-moi. Dans la mité, il y a déjà des uns. Et regarde déjà, il y a déjà l'enseignement des deux uns ici dans Osé 14. Dieu a tout mis par l'Église. Ça a dit Manso Namakominaye. Il a tout mis par écrit. Il suffit qu'à la qui se place à Tia. Il suffit seulement qu'il ouvre les yeux de l'endroit où il a placé ces choses. Au moment donné, tout ça, ma belle, vous voyez, comme nous sommes sur la terre. Donc, la psaume dit, comme psaume dit, Dieu a mis la solution de l'homme dans les plantes. Et Dieu a mis les besoins de l'homme dans les plantes, dans les arbres. Qui s'est les remèdes du Sidon et dans la forêt, dans les bois. Ils sont détruits. Mais c'est nous qui ne connaissons pas encore. Donc le verset nous dit. C'est pas comme le verset déjà le dit. Isa. Il y en a. Il y en a, bien-aimé. Isa. Il y en a. Mais pour mon âme. Mais pour que tu voyes pas. Que tu saches. Parfois, pour les caramboïs. Parfois, tu les passes aussi. Ils ont le bâton. Ils ne savent pas. Zambé a sali Banteto pour les besoins de l'homme. Et le Seigneur a mis de l'herbe, la verdure pour les besoins de l'homme. Et ça, dans mon nom, il faut Zambéné. Il faut que le Seigneur ouvre seulement l'intelligence des yeux. Osée 14 à partir du verset 1er. Osée 14 à partir du verset 1er. Israël revient à l'Éternel ton Dieu. Israël est zongé là, Yahweh s'appelle là. L'idée est désolée à vous. C'est ça l'enseignement des deux hommes. Car tu es tombé par ton iniquité. Pointe yo kwei na mbeba na yo sala. Iniquité Israël les a pour avoir manaki nzambe na ye. L'iniquité d'Israël, c'est parce qu'il avait rejeté son Dieu. Je vais l'idée à la maman et vous. Maintenant, écoute comment sera l'enseignement. Verset 2e à Osée 14. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu des taureaux l'hommage de nos lèvres. En ce temps-là d'Osée, enseignement était des Israélites. Ce n'était pas cet enseignement qui était en Israël. Du temps d'Osée, on offrait vraiment des taureaux, des victimes comme ça, naturelles. Cette écriture n'est pas de leur temps-là. C'était une prophétie de la suite des temps. C'est lorsque de se repentir de son iniquité, c'est l'enseignement de désordres. Israël qu'on puisse dire à Israël, retourne encore dans les sacrifices des taureaux. Non. Les victimes que tu dois offrir, ça hommage à l'œuvre. Ce sont les paroles de l'œuvre, les louanges de l'œuvre. Donc c'est que Nathan, après 3 ans et demi, il y a Moussala Nabamo. Donc après les 3 ans et demi du ministère de l'Église, Israël a offert sa hommage à l'œuvre, pas en Israël
Il rendra l'hommage des lèvres. Maintenant, après la mort de deux hommes, les sacrifices vont cesser. Abomination de c'est l'abomination qui y remplacera. Israël va changer sacrifice. Israël va changer son sacrifice. Mais les 144 000 vont garder sacrifice. Mais les 144 000 vont garder le sacrifice. Donc, ma compère, ça toujours honneur et pas armée. Ils rendront toujours honneur au Dieu véritable. C'est pourquoi Jésus avait dit la domination sera établie. Amen. Alors, tant que déjà des hommes ont commis ma mort, lorsque les deux hommes sont tués, cela veut dire ma compagnon à service, il y a ma prophète qui a complété. Donc, les compagnons de service des âmes sous l'autel qui sont les prophètes sont complétés. Mais après, on a leur force adoration combat. Mais après là, du temps où va commencer la fausse adoration. Les 144 000 balobin écriture, il y a Apocalypse 14, verset 4. On dit au sujet des 144 000 d'Apocalypse 14, 4. Bah, qu'on s'est souillé avec des femmes. Bah, comme il s'est souillé avec des femmes. Bah, comme il s'est souillé avec des femmes. Basiwan et Motalisa, bah, nation. Et ces femmes-là représentent les nations dans la province. Bah, nation, bah, qui en alliance avec la bête. Les nations qui étaient en alliance avec la bête. Bah, mou, bah, qu'on s'est souillé. Les 144 000 ne vont pas s'essuyer en entrant dans ces alliances. Les nations vont commencer à adorer un homme comme Dieu. Les nations commenceront à adorer un homme Dieu. Parce qu'on s'est proclamé Dieu. Parce qu'il s'est proclamé à Dieu. Les 144 000 vont adorer le Dieu créateur d'Israël. Les 144 000 vont continuer à adorer le Dieu véritable. Il y a beaucoup de gens en bas promettant qu'il y a 5e jour que vos frères. C'est pourquoi le Seigneur avait déjà dit au 5e jour que vos frères seront aussi tués. Donc il faut complément à ma compagnon. Il faut qu'ils soient complétés. Le nom de ma frère Nabino. Les compagnons et leurs frères. Ils seront mis à mort. Et après leur mort. Des vengeances aux Zélaona et Goya contre les habitants de la terre. Alors cette vengeance que vous entendez, vous désirez, s'abattra sur les habitants de la terre. Et Dieu bénisse. Amen. Parce que le Seigneur a jugé la terre. Pour son compte, pour la peuple. Parce que le Seigneur va exercer le jugement contre les habitants de la terre à cause de son peuple. Et Dieu bénisse. Amen. Et à vous juger aussi la terre à cause de ma peau, ma salive sur la terre. Et il va juger aussi la terre à cause de tout le mal que la terre nous a fait. Parce que Dieu le dit que réjouissez-vous les apôtres, au CPLA, les saints, au CPLA, les prophètes, car Dieu a jugé cette femme, la prostituée. Elle a le Seigneur a présenté maintenant par rapport à la chute de Babylone. Là, le Seigneur présente cela par rapport à la chute de Babylone. Que la paix du Seigneur les a ricolo na moko na moko. Que la paix du Seigneur soit sur tout un chacun. Et je pense que par la grâce de Dieu, tu voyais mon côté là. Sixième saut. Et je pense que par la grâce de Dieu, nous entrerons dans le sixième saut. Dans le légume, ça va nous soumettre les mardis par sa grâce. La manière dont le Seigneur va nous assister le mardi prochain par sa grâce. Mais dis qu'elle a toujours ferme. Mais demeure toujours ferme, bien aimé. Quand la moto était aujourd'hui mis à maloba, il y a pas de désespoir. Ne sois pas celui qui profère des paroles de désespoir. Aujourd'hui, les sacrifices véritables, ce sont les paroles. L'hommage que tu rends à Dieu, ce sont les paroles. Il dit le mission, il faut vivre longtemps. La Bible dit si tu veux vivre longtemps, préserve ta là. Battez-la, l'olé mon ailleurs. Ne sois pas emporté par des choses vaines. Mais Allah oh, on paie sa honneur, gloire et pas en paix. Mais sois celui qui rend l'honneur, la gloire à Dieu lui-même. Que Dieu te bénisse. Sambe à Pakola. Dieu grâce et puis glorieux rocher. Sambe Nangolou. Total Talikombona yo Pasco Zalini Corona Nios. Nous témoignons ton nom parce que tu es au-dessus de tout. Bonimonayo de Kambaki Bisona yo Mosala. C'est ton amour qui nous a conduit aujourd'hui dans ce service. Bolupi Kimiana yo Sarana Katina Moko na Moko. Que ta grâce et ta paix soient dans tout un chacun. Lumpoko na yo na kuyansa.
que ta main puissante, oh Dieu, et ça, la bolam, bona, moko, na moko, Jésus-Christ, puisse faire du bien pour tout un chacun de tout dessein du diable échoué. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, ton nom seul s'est manifesté en tout. Que ton nom seul se manifeste en toute chose. Présence à Yos amène à Pomor. Et ta présence au Dieu vivant. Yahweh et Sal et la déconnion sont pour l'âme. Puisse accomplir des merveilles sur tout un chacun. Moi, moi, ma paix, moi, les amis, Nicolas, y'a un déco. Tous les mauvais dessins arrêtés sur le frère. Et comment mis tout le temps, mais faut que je compte tout sur la santé. Dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Amen.